On va faire le même sweep qu'on a fait dans Single X ou comme ça là au-dessus. Un petit peu différent juste. Très bien. Donc je vais rentrer, bon on va dire je suis déjà direct dans la liste. Je suis bizarre. Juste, je vais rentrer là et je vais prendre. Bonjour. Je vais prendre. Je connais pas. Je vais prendre là quoi. Et l'autre. Loin. Ok. Tout à l'heure, on avait fait ce sweep là, où je viens en single X, où j'étais comme ça, et boum, je le lance au-dessus. Alors là, c'est presque pareil, sauf que je ne vais pas poser la jambe, je vais garder mes crochets en X, et je vais faire ça. Boum. Je vais le tendre et je vais le jeter au-dessus de moi. Là-bas, pas là. Ok. Pour ça, il faut que je fasse ça. Loin, dans le col, quatre doigts toujours, et là, un grip ferme, on va dire. À la main et je vais le tendre comme ça. Un, boum. Hop. Je le tends. Facile, hein. Une fois que j'arrive là, c'est là que ça devient difficile. Mon genou qui est là, je vais glisser. Je peux lâcher sa main, mais je vais glisser. Boum. Je vais glisser pour arriver en dessous. Je peux sortir l'autre jambe et j'arrive direct sur la position de la clé de genou. Soit là, soit là. Boum. C'est assez facile. Mais c'est assez bien. C'est assez facile à regarder, mais c'est pas facile à faire. Quand j'arrive dans le X, souvent boum. 1, 2. Souvent moi, ouais, comme ça. Ou même en single X, ça marche aussi. Hein, c'est le même principe. Je viens, boum, boum. Et je vais juste faire ça. Boum. Rentrer ce coude, lever celui-là et jeter au-dessus. Hein. Quand j'arrive là, c'est là qui compte. Je peux m'arrêter. Souvent, moi je pousse un peu et je rentre là. Je rentre le genou. Une fois que je suis rentré, je peux sortir en entier. J'attrape la boule du pied. C'est juste ça. Ici, je peux venir croiser et mettre la pression. Ok ? Ça va ? Yes. Facile ? Yes. Let's go.